Comment ça, c'est ta cachette? Y a pas de place réservée, hein? Non, je reste là. Non, j'ai pas le temps de me trouver une autre cachette. Et parle moins fort. Non, je m'en vais pas. Je peux pas. Je crois qu'elle était vraiment pas loin derrière moi. Non, elle m'a pas suivie. Je crois pas. Enfin, en tout cas, je crois pas qu'elle m'ait vue. Bah oui, bah c'est le jeu, figure-toi. C'est un peu le principe du cache-cache. On court et on se cache, quoi. J'avais pas vu que t'étais là. Si je pouvais voir à travers les portes, je serais celle qui cherche, pas celle qui me cache. Toujours plus. Je t'ai pas bâillonné, j'ai mis ma main sur ta bouche pour que t'arrêtes de faire du bruit. T'as entendu qu'elle a pas refermé la porte? Bah oui, bah donc parle doucement. J'ai vraiment pas du tout envie qu'elle me trouve. Ben, c'est chiant. Après, faut chercher les autres. Préfère rester tranquille ici. En plus, j'ai pris des provisions. T'en veux? C'est... Je sais pas. J'ai pris ça sur la table. Je crois que... Il y a des beignets. Des trucs sucrés, quoi. Ça va, elle est loin. Elle nous entendra pas. Merci. Si on fait attention, ça fait pas tant de bruit que ça. Mais elle est venue et elle a rien trouvé, donc je pense qu'elle va faire toutes les autres pièces de la maison avant de revenir. Et puis, on l'entendra en plus. Mais non. Je vais pas aller chercher une autre cachette. T'as pas entendu? Je suis d'accord pour partager mes beignets. Ça va, c'est pas si terrible d'être enfermé avec moi, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis rien. Normalement, tu devrais dire... C'est même un plaisir d'être enfermé avec toi. Blablabla. Ok, te force pas trop non plus, ça se voit. L'ambiance. Qu'est-ce que tu fais? Non, sors pas. Mais elle peut t'entendre et du coup, elle va nous trouver. Oui, c'est vrai que si elle te trouve, elle cherchera autre part. Elle pensera pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais quand même, je préfère que tu restes. Non, parce que à deux, c'est mieux. Et puis, franchement, rester toute seule enfermée dans un placard, paye ta soirée. Tu vas voir. Je suis de super bonne compagnie. Tu me connais? Comment ça, tu me connais? Avec ta sœur? J'avais quoi comme cours avec elle? Oh, mais oui! Bien sûr, je me souviens d'elle quand même. On rigolait trop ensemble.
Je savais pas qu'elle avait un frère. Mais alors, comment tu me connais si moi je te connais pas? Oui, c'est vrai. On prenait tout le temps des photos à cette époque-là. Bon, du coup, tu me connais pas réellement. Alors, c'est l'occasion. Tu vas pas te sacrifier et sortir de ta cachette pour une inconnue. Des beignets, je te dis. De rien. Tu crois qu'on peut s'asseoir là-dedans ou c'est trop petit? Ok, c'est trop petit. Oui, ça va aller. Je préfère rester debout que assise et avoir ma tête au niveau de tes fesses. Ah, si on s'assied tous les deux, ça peut peut-être passer, ouais. Attends, je... tombe pas. Non, je te tiens, c'est bon. Non, mais tiens-toi aussi. Oh. Zut. Désolée. Désolée, ça va. T'es sûre? Je t'ai écrasée quand même. Ok. Attends, je me mets bien. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ça finit jamais. C'est une écharpe. Ah oui, il y a des trous. Mais je vois rien, il fait trop sombre. Non, mais c'est pas grave. C'est juste que j'étais assise dessus et ça me gênait. Je vais le caler là parce que ça me fait un peu mal au dos. Non, c'est bon, on bouge plus. On a eu trop de mal à s'asseoir déjà. Mais il y a un bazar là-dedans. Ben non, moi je dirais justement que c'est un placard de mec. Pour que ça soit un fouillis pareil. Oh, mon placard, il est très bien rangé. J'ai pas grand-chose, donc c'est facile. Il est classé par couleur. Ben oui, c'est vrai. Je préfère. C'est plus joli et, ben, comme j'ai pas énormément de trucs, je sais ce que j'ai donc. Non, c'est pas bizarre. C'est ceux qui rangent pas par couleur qui sont bizarres. Comment tu ranges, toi? Tu ranges pas, voilà. C'est ce que je disais. Typique d'un placard de mec. C'est pas un préjugé, c'est un fait vérifié. Non, j'ai pas de chiffres scientifiques, mais j'ai vu vos placards. Et c'est pas beau. Pas tous les placards, non. Mais assez pour que je classe ça dans un fait. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça ressemble à une jupe. Et ça, un top. Et ça, un crop top. Ok, c'est peut-être le placard d'une fille, mais c'est sûr, il y a des exceptions à la règle. Oui, d'accord, j'ai été mauvaise langue. Ça va. Mais ça change pas qu'en majorité vos placards ressemblent à des scènes de crime. Mais bref, non. Le vrai problème, c'est que y a rien à voir dans ce placard. Mais non.
Par contre, je suis contente qu'il n'y ait pas de chaussures. Oui. Au final, on risque de passer une bonne soirée. Ben écoute, des beignets, la boisson, moi, je crois que tu passes une bonne soirée. Franchement, je sais pas ce que c'est ce nouveau délire de vouloir jouer à cache-cache. Moi, ça m'ennuie. Bof, moyen drôle. Enfin, sauf ce soir. Va falloir qu'on prenne une photo. Hein. Comme ça, on en aura une tous les deux, vu que j'en ai plein avec ta sœur. Et puis, je veux un souvenir. Ben, faire une contre-soirée dans un placard avec toi. J'ai envie d'avoir un souvenir de ça. Oui, et comme ça, on montrera la photo de notre rencontre à nos petits-enfants quand ils nous demanderont comment vous vous êtes rencontrés. Pourquoi tu veux pas d'enfant? Bah voilà, parfait alors. Sorry. On est beau. Faut que je te l'envoie. Mais il me faut ton numéro, du coup. Attends. Ok, vas-y. Ok. C'est bon. C'est envoyé. De rien. Et en plus, ben, t'as mon numéro maintenant. Oui, t'as le droit de t'en servir. Genre, par exemple, si un jour tu veux sortir autre part que dans un placard et que tu veux que je sois là, tu peux te servir de mon numéro. Ah ouais? Moi aussi? Cool. Et t'es souvent dans le coin? Enfin, je veux dire, tu travailles où? Ah oui, t'es pas mal occupé alors. Mais, ben, en tout cas, ça doit être intéressant. Moi, je travaille dans un bar. Oui, serveuse. Je fais ça en attendant de savoir ce que je voulais vraiment faire et au final, je crois que ça me plaît bien. Non, les clients sont sympas en général. Et ceux qui le sont pas, ben, ils le deviennent vite, sinon ils vont ailleurs. Ouais, le patron est cool pour ça. Il dit que ni nous ni les autres clients, on a supporté des cons, donc. Tu peux passer un jour, si tu veux. Je t'offrirai un verre. Ben, ça te changera alors. Si, j'entendais pas qu'il se rapproche. Ah, tu vois. Non, ils sont juste dans le couloir. Ça se trouve, tout le monde a été trouvé sauf nous. Peut-être qu'ils vont nous oublier. Ou alors, ils cherchent les beignets. C'est sûr que si tu parles fort comme ça, ils risquent pas de nous oublier.
Mais si tu veux qu'on nous trouve, je peux faire du bruit aussi. Qu'on s'y perdra pas. Tu vas partir de la soirée maintenant? Non, c'est juste que je sais pas. Ça se fait ça. Il risque de nous chercher longtemps du coup. Fâché après nous. Oui, c'est sûr que on gagnerait un cache-cache pour le coup. Tu crois que on peut sortir par la fenêtre? Oui, on est au rez-de-chaussée, mais c'est juste que ça risque de faire du bruit. Ok, ben, vas-y. Dès que t'as ouvert, je te rejoins. Oui, clairement, je te sacrifie. Je protège les beignets, au cas où. Ok, fais doucement. J'ai vraiment pas envie de rester ici toute seule. Bon courage. Ben oui, c'est comme ça que je souhaite bon courage. En disant bon courage, tu veux que je fasse comment? Oh. Bah, approche-toi. Je pense que pour juste ouvrir une fenêtre, ça devrait aller. Et en plus, comme ça, tu seras plus motivé pour avoir la suite.